Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Soumadi avec vous. Donc aujourd'hui, on va monter notre robot pour la première fois. Voilà la boîte qui contient normalement la carte mère ou bien le cerveau de votre robot. Par la suite, on va intégrer la forme noire qui nous permet de bien sûr de coller ou bien une autre forme grise comme celle-ci ou l'autre, ok, dans ce sens. Et par la suite, je vais utiliser la forme noire et une autre forme grise qui me permet de l'intégrer dans ce sens, comme ça. Une forme noire ici et une autre dans ce sens. Bien, une fois c'est fini, la première partie, je prends le robot de côté à droite ou bien l'autre de côté gauche. Mais la chose dont vous devriez normalement être sûr, c'est cette partie. Il faut que le connecteur soit dans l'axe 0. Ça, c'est très important. Par la suite, je vais le brancher dans le F. Comme ça. Bien. Et par la suite, je vais le intégrer dans cette position. Ici, il y a 3, donc c'est totalement suffisant. Même 2, c'est suffisant. Comme ça. Je prends des formes noires, ou bien des connecteurs noirs. Pardon. Il y en a les plus grands et les petites formes. Donc, juste pour faire la différence, si on a deux, une assez grande et l'autre petite. Je prends deux formes grandes et une autre petite. Bien. Et je mets le robot dans cette direction. Je prends les grands ici. Et la forme qui est petite, fais attention. Il a une tête ronde. Tête ronde dans ce sens. Que je peux l'intégrer ici. Je peux bien sûr désactiver le connecteur provisoire qui me permet de travailler à tête reposée jusqu'à la fin. Par la suite, je cherche une petite forme qui me permet tout simplement de gérer les formes. D'abord, je commence avec cette forme. Quelle entrée plus et l'arrondi. Le plus et l'arrondi. Je vais vous montrer une autre comme ça. Vous devrez être sûr et certain. Voilà. Dans la caméra, pardonnez-moi, je travaille juste avec les moyens de bord. Ben voilà. Là où il y a le petit plus. Donc le petit plus, je peux le mettre que ici. Non, pas ici, impossible. Ben voilà. Et la forme noire, elle est ici. Je prends la forme qui est assez lente, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 trous.
je calcule, je prends 1, 2, donc je calcule à partir de 1, 2, et je le mets directement dans la troisième, je commence comme ça. Je refais cette opération. Je refais cette opération une deuxième fois. Donc, je cherche un peu la forme selon, bien sûr, les formes que j'ai dans la boîte. Je cherche une autre forme qui contient le plus, comme celui-là. Et l'arrondi. Et je le mets directement dans cette partie, donc 1, 2, et je le branche. Attendez une toute petite seconde, donc je dois débrancher les deux formes que j'ai. Une deuxième fois, donc voilà, c'est comme la première forme, et maintenant j'ai deux formes similaires, ok, de la même manière, et les voilà. Je le mets de côté comme ça. Par la suite, je cherche une forme noire qui est assez grande. Et une autre forme, attendez une petite seconde, une petite forme noire dans la première partie, comme ça, qui déborde vers l'extérieur. Oui, il y a la possibilité de le mettre comme ça, oui, je suis d'accord avec vous, mais je peux la mettre dans ce sens-là. Et par la suite, je cherche une forme de plus, comme ça, qui va bloquer le connecteur, comme ça. Et dans ce cas, je peux la coller dans une autre forme. Ok? Dans une autre forme. Je refais un peu la même opération. Ok? Dans l'autre main. Mais entre-temps, je peux par exemple... Bien, une fois c'est fini cette forme, je vais utiliser une autre forme avec la tête rond dans le sixième trou, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un peu comme ça. Et par la suite, je prends bien sûr cette forme qui me permet de la raccrocher avec la tête arrondie, comme ça, maintenant elle est fixe. Et je vais la mettre ici directement, ok, avec la tête arrondie. Et ben voilà, maintenant c'est fixé, hein. Je prends la forme le et je vais la coller, je sais pas, quand vous voulez, soit au milieu. Soit la première forme, comme ça, c'est à vous de décorer un peu les choses. C'est une forme décorative. C'est une forme décorative dans ce cas. Je prends une deuxième forme. Ok, ou bien le deuxième pied. Et on va refaire bien sûr la même chose. Et par la suite, on peut certainement proposer une forme bleue de côté. Et aussi le pied qui a de la tête arrondie, on va le retrouver quelque part.
Ainsi, bien sûr, un autre connecteur. Bien. Dans ce cas, je commence avec la forme bleue, la forme noire, pardonnez-moi, qui est loin. Et je vais certainement la connecter avec une forme grise qui va la bloquer, comme ça. Une fois c'est fini, maintenant elle est en haut, je refais la même opération et la forme bleue qui va le bloquer donc directement comme ça. Donc j'espère que c'est clair. Voilà ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Bien, la deuxième étape consiste à créer le robot. Donc, je commence avec une petite forme grise, comme celle-ci, okay, qui est assez grande. Donc, vous restez avec moi, je dois la débrancher d'abord. Bien, maintenant, je prends une petite forme, comme celle-ci, ok. Et je prends un connecteur bleu qui est assez grand. Je le mets directement ici. Donc, qui me permet de le bloquer dans ce sens. Par la suite, quatre formes noires. 1, 2, 3 et 4. Et je vais les connecter avec l'autre. Par la suite, je prends des formes bleues, noires, pardonnez-moi. Dans cette partie et dans l'autre partie. Je prends une forme noire, comme celle-ci, qui contient 5 trous, et je vais connecter les 3 premiers trous, comme ça, directement avec la forme. On s'arrête dans la deuxième partie. Bien, c'est un peu comme ça, il faut que la forme bleue soit en haut, hein. Je le mets de côté un peu. Je prends les pieds ou bien les mains. Comme ça. Voilà le câble. Il faut que le câble soit un peu dans ce sens. Et je prends par exemple, je sais pas, soit que la forme soit dans ce sens. Et il y a un trou ici. Donc, c'est un peu comme ça. Okay, donc, vous devriez normalement le connecter selon le trou que vous voyez en bas. Ok. Bien, une fois c'est fini, donc on a la forme bleue ici, la forme noire ici que j'ai rajouté. Et je vais le coller directement dans ce sens. Comme ça, maintenant, il est bien bloqué. Et le voilà. Bien sûr, on passe aux étapes suivantes. On va rajouter deux formes noires en haut. Et une forme qui est rouge, celle-ci, avec la forme plus. Dans le milieu. Et ben voilà. Et je prends la roue qui contient aussi le plus au milieu. Comme ça. Ben voilà.
Et je rajoute certainement une forme noire de plus. Et si? Ben voilà. Maintenant, on a le support, la roue et la forme de côté. Par la suite, on va préparer. Pardonnez-moi, on doit toujours normalement débrancher les objets. On prend la première fois et la deuxième en même temps. Donc, pardonnez-moi une seconde, je débranche. Je prends deux formes noires. Je vais la mettre comme ça. Et je prends deux formes beige. Bien sûr, contient un petit plus. Certainement, vous allez voir où vous allez la mettre. Je prends bien sûr la forme jaune, qui est normalement sur mesure par rapport les 1, 2, 3, 4 trous que vous voyez ici. Bref, l'étape suivante, maintenant, une fois c'est fini, je reprends cette forme-là. Je mets le plus ici. Et je mets le noir ici, de côté. Ben, la même chose dans l'autre coin. Aussi, le noir, de côté. C'est à l'inverse, toujours. Ce qui se trouve à droite doit être l'inverse de ce qui se trouve à gauche pour qu'on obtienne un peu la symétrie. On s'arrête. Bien. Maintenant, une fois on a la forme noire, la forme beige ici et la forme noire de côté, bah, la même chose dans l'autre sens. On vient de rajouter la forme plus, comme je viens de dire ici. Ok. Et la forme qui contient cette couleur-là, c'est un peu le rose. Et je vais la mettre dans cette direction. Comme ça. Et la forme bleue, qui contient le connecteur plus dans cette direction. Ben, la même chose un peu dans l'autre forme, c'est à l'inverse toujours. Comme ça. Et comme ça. Bon, pas de bleu, pas de noir ici. C'est pas la peine. Et ben voilà. Ça c'est un peu une autre fois. Et ben voilà, j'ai deux formes comme ça. Par la suite, je vais prendre le petit pied que j'ai ici. Je prends par exemple la main, donc il me faut bien sûr deux connecteurs ici noirs. Plus la main.
aussi deux connecteurs dans l'autre sens. Plus la main. Donc, je dois un peu inverser cette forme-là. Comme ça. Et le voilà. Une fois c'est fini, je connecte un tout petit peu le robot dans le dé, c'est mieux. L'autre forme, dans la première forme certainement, c'est dans le F, ben, comme ça, et l'autre dans le D. Je patiente un tout petit peu parce qu'il me faut la caméra. Il me permet de faire le lighting. Vous restez avec moi, donc c'est un peu la forme de lighting, on est d'accord. Dont on a certainement besoin de la connecter ici, au niveau de la tête, soit comme ça, okay. Au niveau de la tête. Okay. Donc, je peux la brancher dans ce sens. Ou dans l'autre sens, c'est à vous de voir. C'est un peu comme ça, ok. Je peux la mettre comme ça quand je peux bien sûr retrouver une autre manière pour la connecter, c'est-à-dire je peux par exemple utiliser la forme qui est plus grande que celle-là et l'inverser, je sais pas, peut-être dans l'autre sens. Et faire le contraire. Donc c'est à vous de voir, comme j'ai déjà dit, parce qu'il n'y a pas une manière fixe pour tout le monde. C'est-à-dire si vous sentez mieux avec cette direction, vous pouvez le faire. Sinon, c'est un peu dans l'autre direction. C'est à vous de voir. C'est quand vous voulez. Donc, en même temps, voilà les deux formes. Je peux, par exemple, au lieu de mettre le connecteur ici au milieu, je peux le mettre en haut, si je veux. Une fois c'est bon, je vais intégrer directement la caméra. Vous allez voir que c'est super bien. Ben voilà. Et vous pouvez en même temps inverser un peu les mains, si vous voulez. Si vous voulez que votre main soit dans cette direction, il suffit juste de l'inverser, comme ça. Vraiment, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez en même temps. Ben, pour moi, j'ai trouvé que les deux mains dans ce sens-là, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je garde la main ici à droite. Je vais inverser un tout petit peu le contenu de cette main. C'est à l'inverse. Comme ça et comme ça. Bon, je prends bien sûr la forme, il faut qu'elle soit toujours ici et je refais dans ce sens. Ce qui fait, ça va me donner bien sûr cette direction. Bien. L'étape suivante et la dernière étape, c'est le fait de brancher ce pied-là au milieu et l'autre aussi au milieu.
Et c'est fini. Le montage de notre robot. Le voilà. C'est la première étape. Par la suite, on va passer aux programmations, la programmation de notre robot.